did you say that you were telling Sandy to run your house? Ça, c'est le petit rituel du soir. Vous avez vu, je vais dire à New York, à Dubaï, le ciel là, ici, il est 3h30 du matin. Ça, c'est la vue de mon balcon. Le ciel, il est clair quand même. Tous les soirs, je me relaxe sur le balcon. Ça me fait trop du bien. Là, il y a la petite bougie à la citronnelle. Là, il y a Katia qui me rejoint. Trop dégoûtée, je suis chez Nike en train d'essayer des ensembles de sport parce que bref j'avais fait des achats compulsifs un jour et il n'y a rien qui m'allait, donc je suis revenue, j'avais une carte du coup cadeau en mode parce qu'ils font pas de remboursement Nike, bref on s'en fiche. Et là je suis en train d'essayer des nouvelles tenues qu'ils ont reçues, donc celle-ci par exemple je la trouve incroyable, le legging comme ça, la brassière qui va avec, sauf que il n'y a rien qui me va, genre au niveau du bas il n'y a aucun souci, au niveau du haut le S c'est carrément trop petit et le M c'est carrément trop grand. On continue les essayages en mode totalement dépareillé, donc faites pas gaffe, je sais que ça ne va pas avec le pantalon, mais j'ai pas emmené de haut noir dans la cabine d'essayage. Bref, ce jogging je l'aime trop et là pour le coup il me va. Pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il est disponible en France, je l'ai pris en XS, enfin je le prends en XS et en fait il est en bimatière style Easy Kawaii. Tout le haut là en mode kawaii et ici tout ça en mode coton. Genre une merveille. En tout cas porté, enfin c'est trop agréable. Et j'ai une question, vous pensez quoi de ce genre d'ensemble? J'en ai jamais acheté, j'ai haut dans toute ma garde-robe de sport. Je fais des achats de sport parce que j'ai prévu après le ramadan reprendre le sport. Donc ne me jugez pas, ne vous dites pas là j'ai des tenues de sport alors qu'elle fait jamais de sport. J'ai prévu de reprendre. Mais bref, j'ai jamais porté, enfin j'en ai jamais acheté des shorts comme ça. Mais d'un côté, t'es tellement bien dedans, genre c'est tellement léger, c'est tellement agréable que je me dis bon. Cet ensemble-là vous intéresse en termes de taille? Au début, j'avais pris du XS en short, sauf que c'était beaucoup trop petit, beaucoup trop court et tout derrière. Donc j'ai reposé, je suis partie sur un S qui me va très bien. C'est juste un tout petit peu, genre il y a peut-être ça en trop au niveau de ma taille, sauf que c'est sous le t-shirt, donc je m'en fiche. Voilà, et en termes de haut, j'ai pris un S. Donc là, j'ai l'ensemble total small. Et la dernière pièce, alors c'est ce jogging que je suis en train d'essayer. Franchement, il est archi, archi beau. Juste là, je l'ai pris un S et il est super grand au niveau de la taille. Donc je vais aller voir s'ils n'auraient pas du XS. Une matière coton comme ça, trop beau. Vous avez une Nike qui est en rose et bleu. Et sinon, tout l'ensemble est noir et bleu. Au final, je vais prendre le jogging rose, le jogging blanc et noir, trop beau que je vous ai montré juste à la fin, et l'ensemble vert haut comme ça. Et pour ceux que ça intéresse, ma tenue du jour, donc j'ai mis un petit crop top avec ce pantalon style bandana qui est dispo en noir et en beige. Il vient de chez Brentini Paris, je vais vous mettre le lien en dessous juste en bas. Et vous avez mon code Fiji qui est valable sur tout l'ensemble. Franchement, il est trop stylé, tu peux mettre une ceinture. La coupe, elle est belle au niveau des lignes et tout. Moi, je suis addict. Et sinon, les filles, j'ai reçu 3 nouvelles paires de chez Clarosa. Alors, 2 paires de claquettes et 1 paire de talons. Première paire, j'ai pris celle-ci. Donc, on est sur des claquettes totalement transparentes. J'aimais vachement ce côté-là, le fait qu'elles soient pas transparentes. Avec les petits strass, les 2 boucles juste ici. Du coup, elles peuvent se porter avec tout. Mais je les ai aussi prises en noir. Je vous montre juste ici. Donc là, on est plus sur une matière style daim. Les noires, je vous les montre pas. Du coup ça rend comme ça, elles sont trop jolies, autant j'aime les noires que les transparentes. Et le meilleur pour la fin, j'ai pris cette paire de talons trop trop belles. Moi j'adore quand le bout comme ça il est carré, elles sont magnifiques à lacets comme ça, trop belles. Donc autant vous les lacez, vous laissez tout le croisé au niveau de la cheville, autant vous les montez comme je viens de faire.